bala gudilo mambu yo ya fwe ya bugu gagulwe amigi ndumbugi suga munjila banganza mbepo yolonga u mama leliye mama mama amujime mujime mye amujime mujime mye amujime mujime mye amujime mujime mye Yeah. Mm-hmm. Oh, Mingo.
mbi na volonté Bano baga disano, bano baga bangata na kato Na bubwa suga masia tafuta ni lufutu Lufutu ya masia yata sadi sange mingi Ngeta vanda na kese, kese ya mvula na mvula ma Ya Yesuwe Yasmine Joli Somba tango tango sana bomoi Yeba nzambe tango salina bomoi Utwe koya mota koki ko salate Visionni Yo
yoka mokolo na okofa. Bakolela nga na angelo ya likolo. Ebembe nga ba okunda sika bakunda ka Yesu. Matanga nga ba opanza na tempelo ya Nzambe. Pili nga papa kolata mama pe akokanisa. Alela na monoka mboka mwamelo mwame bulela. Yoka biso. Mama nena. Je suis choqué ce matin quand j'ai suivi les lettres qui circulent dans les réseaux sociaux. Les lettres qui font un échange entre le gouverneur de notre province du Sud-Kivu avec les responsables des partis politiques qui doivent envoyer leurs animateurs dans la formation du gouvernement provincial. Curieusement, nous trouvons qu'on a institutionnalisé une tribu, les Banyamulenge, comme une institution qui doit aussi envoyer un membre au gouvernement provincial. Je m'insurge contre cette institutionnalisation de la tribu Banyamulenge, minoritaire qu'elle soit, mais elles ne sont pas la seule minorité au Sud-Kivu. Il y a les Banyindou, il y a les Basibondo, il y a les Babouari, il y a les Barongeronge, il y a les Barignirigni, il y a les Batembo. Tout le monde est minoritaire. Je voudrais ici attirer l'attention particulière de messieurs les gouverneurs. Si c'est vrai, vous avez signé cette lettre où vous voulez institutionnaliser la communauté Banyamulenge. Retirez vite ces correspondances, retirez ces projets et revoyez s'il faut qu'on donne un poste aux minorités. Appelez-nous les notables de chaque territoire et nous allons vous donner les minorités de notre territoire. Il ne faut pas nous imposer une minorité. Ici, j'invite aussi à tous les députés provinciaux, au cas où le gouverneur persisterait dans la formation du gouvernement, avec un élément Banyamulenge comme institution, il faut rejeter ce gouvernement. Je voudrais ici demander à tous les députés nationaux de nous liguer pour barrer la route à ces mauvaises pratiques. C'est une très mauvaise pratique. Roger Lumbala qui est à Paris. Mais si, c'est l'histoire vraie. Allez interroger les annales parlementaires. C'était Roger Lumbala. C'était Roger Lumbala qui était en face de Christian Badibangi et en face de Ramo Tshibanda. C'est lui qui représentait les M23. C'est lui qui représentait les M23, qui était le porte-parole du M23. Et il dit, j'ai été envoyé au M23 par Étienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire de 2011. Envoyé par Étienne Tshisekedi puisqu'il était directeur de campagne. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous avez signé? Je vous relate les faits vérifiables. Allez-y. Je vous relate les faits vérifiables. Ok, allez. Quiconque se sent lésé, qu'il prenne mes propos, qu'il aille en justice, je vais lui démontrer avec les images et les annales parlementaires. Roger Lumbala l'a dit, il était le porte-parole de M23. J'ai été envoyé par Étienne Tshisekedi réclamer sa victoire. Et cela n'est pas un fait anodin. Est-ce que vous savez, en 98, juste une année après que Mouzé ait pris le pouvoir, la rébellion, et quand Mouzé les a chassés, parce que j'entends les gens ici, non, c'est Kabila qui est venu. Mais c'est à partir de là que la rébellion a commencé à vu les jours. Hein. Mais Mouzé les a chassés avant de mourir. Mouzé a chassé tous les Rwandais ici. Est-ce que vous êtes encore amnésique? Mais il y a les gens qui disent que c'est Mouzé qui est responsable de tout ça. Mais Mouzé, le Rwandais mais ici, Mouzé les a chassés. Écoute, il n'a pas respecté les accords. Non, il y a toujours une chose que vous devrez mettre en tête. Lorsque vous venez avec un mouvement révolutionnaire, c'est anticonstitutionnel. N'est-ce pas? Advient qui pourra. Vous réussissez votre coup, vous restez au pouvoir. Vous échouez, vous répondez de la constitution. C'est ça. Mouzé a réussi. Le Rwanda avait son agenda.
que Mosé a contourné. Et quand ils sont venus ici, ils ont commencé à se comporter de la manière qui a lésé les Congolais. Mosé n'était pas d'accord. Il a demandé tout Rwandais, puisque la facture de l'effort de guerre avait été payée. Il faut poser la question à notre consoeur Colette Brakman. Mosé demande à tout Rwandais de rentrer à Kigali, que les Congolais restent. Mais il était surpris, même son ministre des Affaires étrangères, qui prétendait être Congolais, et son directeur de cabinet, qui prétendait être Congolais, pouf, Kigali. Et le 2 août 1998, l'RCD est né. RCD Gomme. Mais qui était l'allié du RCD Gomme? C'est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi encore dedans. Étienne Tshisekedi. RCD, c'était avec Robert Roy, non? J'ai dit qui était l'allié. L'allié, Étienne Tshisekedi. Si. Ah, Étienne Tshisekedi entretenait le mouvement rebelle. Je te l'ai dit, Étienne Tshisekedi était l'allié du RCD. Oh. Allez-y. Le peuple est en train de vous aider. Peut-être tu ne vois pas l'image. Je peux te donner la description de cette image. La photo qui passe en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Après que les Rwandais et les Ougandais se sont battus à la Tchopo, la guerre des six jours. Étienne Tshisekedi était là. À sa gauche, c'était Roubaix, non? Non, à sa gauche, c'était Onusumb. Extrême gauche, c'était le général Ondekan. À sa droite, c'était Roubaix. Derrière, c'était Koundabatoire. Derrière Koundabatoire, c'est l'actuel ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoï Kassong. Thank you.
Congolais. Tu penses à ton pays, un enfoiré comme ça. Repense à toi, un Français comme ça. Un Français qui va insulter les Congolais. Le Congolais va sortir un Français dans le site Eni Congo Ndjeno, centre à la gaz. Le Congolais va faire sortir un Français dans le site Eni Congo. Vision News Import-Export.
Ouverture tous les jours de 9h à 19h. Pour l'envoi de vos colis à destination de Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC et Lokomakassi, adressez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Référence métro tram Porte de Paris, Stade de France. Contact plus 33 6 24 43 98 07 ou le plus 33 7 87 26 87 27. Demandez Edgar Mokonzi. Vision News Import Export. Ouverture tous les jours de 9h à 19h. À Kinshasa, adressez-vous à la 13e rue Lumeté Industrielle, référence Diaming. Téléphone 00243 815 442 537. Vision News Import Export. Le spécialiste de frais.